Charlotte Dipanda, maman Charlotte, l'Africa Food ne peut pas nous distraire. On n'a pas toujours oublié ton dossier. Maman, tu veux nous faire comprendre que c'est ce sport-ci que je suis en train de voir là, qui t'a fait devenir comme on te voit là? Non, je ne crois pas. Les Camerounais ne sont pas... Non. Maman, regarde toi-même le sport. Toi, tu nous dis que c'est ça qui t'a rendu comme ça. Fernand Lopez doit nous dire la vérité. Non, on ne veut pas te perdre, Charlotte. Tu es la femme de Fernand. C'est vrai. Mais sache que tu es la mère du peuple. Oui, nous te portons en cœur, maman. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que c'est comme ça qu'un artiste là, on l'appelle Oshinashi, ou c'est Oshinashi, qui avait chanté Egoué, mais elle est aussi populaire comme toi. Hein? Même les gens populaires, même les stars d'ailleurs. Donc, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui est maltraité dans ton foyer et qu'on voit même déjà ça sur toi physiquement, tu veux nous raconter que c'est le sport. Maman, tu fais le sport plus que qui? Parce qu'on a appris, je ne sais pas si c'est vrai, que le gars pratiquait son MMA sur son Esngo. Lui, ça a pris la tangente. Ma, si c'est ce qui se passe avec toi, il faut que ton gars sache que les Camerounais ont le regard sur toi. Non, Charlotte Dipanda, ce que nous on voit là. Comment tu peux nous dire que quand tu n'étais pas marié, tu avais une bonne mine, tu étais présentable, tu étais bien belle. Mais maintenant, tu viens nous présenter une mine. Si tu es comme le kangourou, tu dis que c'est le sport. Non. On voit que ça ne donne pas dans le foyer. Et le divorce existe. Je ne te demande pas de divorcer. J'attire juste l'attention de Fernand Lopez que le divorce existe. Parce que sa première femme a manqué l'exemple. Donc les femmes qui souffrent dans leur foyer là. Non, si vous n'avez pas trouvé votre âme sœur, si vous épousez un homme, après vous vous en rendez compte que ce n'était pas l'homme qui était prévu pour vous. Partez. Ce n'est pas un péché. Quittez ce foyer là. Au lieu de payer le prix avec votre tête. Non. Au lieu de die, quittez. Et je voulais profiter dans cette vidéo pour m'adresser à certains hommes qui maltraitent les enfants des gens, soit disant qu'ils ont doté cher ou bien qu'ils ont investi, machin, tout ça. Pardon. Arrêtez ça. Je vais vous prendre un exemple. Ma fille aujourd'hui doit avoir 10 ans. Par an, je dépense au moins 2 millions sur elle. Nutrition, habillement, scolarité, tout ce qui va avec. Santé. 10 ans, c'est que je suis à près de 20 millions. Donc, si elle est pas mal à 20 ans, ça sera 40 millions. Ok. Toi, tu viens aujourd'hui, tu dis que tu es ma fille. Tu me donnes même 1 million ou même 500 000. Tu commences à dire que j'ai trop dépensé. Ton père m'a pris trop d'argent pour ta dot. Tu as dépensé quoi, papa? Oh, les gars, tu épouses une femme, tu as tout le droit sur la femme là. Hey, c'est l'enfant des gens. Hein. C'est l'enfant des gens. C'est pour ça que même quand tu mets un enfant au monde, c'est ton enfant, mais tu n'as pas tout le droit sur cet enfant là. Parce que tu fais quelque chose qui ne va pas sur cet enfant là. La loi te condamne. Parce que l'enfant aussi, ses droits. La femme a ses droits. Donc, ne maltraitez plus nos soeurs parce qu'elles avaient des motifs bizarres. Arrêtez ça. Fernand Lopez, je vais te présenter une dame là que tu as fait pleurer. Elle a pleuré comme un enfant. Et c'est comme ça que beaucoup de Camerounais pleurent quand on regarde Charlotte Dipanda aujourd'hui. Ça, ce n'est pas notre Charlotte Dipanda qu'on a connue. Sérieux, ce n'est pas notre Charlotte Dipanda qu'on a connue. Charlotte Dipanda n'a même plus l'alliance. C'est ça qui nous prouve un peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On voit les photos où Charlotte Dipanda n'a pas son alliance. Elle ne veut pas seulement exposer son foyer. Nous, on sait ça, c'est une grande dame. Mais nous, on voit la vérité. Nous sommes aussi mariés, mon frère. Nous, on connaît. Quand une femme mariée ne se sent pas bien dans son foyer, on voit les symptômes. Ça se ressent physiquement. On ne cache pas ces choses-là. Écoutez maintenant notre maman Aline Zomo. Dit qu'elle pleure. Écoutez. Dis comment tu fais pleurer les Camerounais. Fernand Lopez. Écoutez. Bonjour à tous. Moi, je fais cette vidéo pour m'adresser au mari de Charlotte Dipanda. Mon frère, Mboyam, tu vas connaître. Je viens vers toi pour... Les gens se plaignent que Charlotte a beaucoup maigri. Les filles d'Ouala ne sont pas faites fortes pour faire. Les filles d'Ouala aiment crâner. Charlotte Dipanda, elle sait chanter. L'autre là, elle ne connaît pas. Baisse l'attention, mon frère. Les gars étonnent, on se plaint de vous depuis que nous on était les petites filles. Si un gars étonne, monte sur toi.
C'est les filles Betty qui vous supportent. Tu es parti prendre une fille d'Ouala à Mboyam. C'est quelle tension que tu mets sur Chialot qu'elle a perdu la moitié de son poids. Fais doucement. Utilise l'enfant là avec précaution. Les Chialot du Pardon, ce sont les filles qu'on utilise avec notice. Le gars est tombé, tu appuies fort, tu appuies très fort. L'enfant a maigri. Et on t'a dit que c'est une fille Betty. C'est nous les filles Betty qu'un gars te fait même 10 fois. Tu es toujours là, tu pompes même l'air. Une fille d'Ouala, les filles ne supportent pas. Chialot, c'est elle est là pour chanter. Non, baisse la tension. Vraiment, utilise cet enfant avec méthodologie. Hey. Chialot du Panda, elle avait les joues. Hey. Je pleure. Tu utilises mal la fille là. Elle n'est pas là pour faire l'amour comme ça. C'est pas une fille bêtise. Tu n'es pas une fille d'Ouala. Les filles d'Ouala, c'est pour crâner. C'est pour chanter. C'est pas pour... Tu fais juste à 4 fois, 6 fois. C'est quoi avec la foi des gens? Tu crois qu'on va te laisser utiliser Chialot comme ça? On ne va rien dire. Donne la doutier avant là. Avec l'autre là. Regardez que tu es musclé. Tu la vois de tout, oui. C'est quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? On va se taire jusqu'à quand? Tu as épousé Chialot pour faire comme tu fais là? Tu fais 4 fois, 6 fois, qu'il y a quoi? La fille n'est pas forte là-bas. Et quoi, je m'en ai dit? La catégorie est musclée là. C'est quoi avec toi? Tu nous provoques. Tu nous provoques. C'est quoi? On t'a fait quoi? Au lieu que la femme grossit, je maigris. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quoi? C'est quoi avec toi? On fait d'aller réunion sur ton nom. Hein? On fait d'aller réunion. On fait les réunions avec ton nom. C'est quoi? Tu peux pas utiliser la femme déjà comme ça. C'est quoi? Le gars, il tourne. C'est quoi? C'est quoi? On t'a donné Chialot, c'est quoi? C'est quoi? Tu fais la boxe sur l'enfant là. Laisse la quantité que tu fais là. Les filles d'Ouala, c'est les filles que tu donnes la nourriture, tu donnes l'argent, elle va chanter. Ne fais pas trop l'amour, c'est quoi? C'est quoi avec l'enfant déjà? C'est quoi? On fait d'aller réunir avec ton nom, hein? Le gars est tombé sur le nom. C'est trop. C'est trop. Arrête ça vite. Arrête ça vite. Fais même une fois, non? Fais une fois, c'est quoi? Il y a 4 fois, 6 fois. Tu vois que les filles doivent supporter de faire l'amour? C'est quoi?